Xème Café Patrimoine, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Yves Contasso, qui est conseiller de Paris Europe Écologie Les Verts, et qui va nous parler de développement durable, de restauration, et un titre, Patrimoine des rénovations thermiques, convergence ou contradiction. Voilà, c'est une grosse problématique en matière de patrimoine, parce que vous le savez, lorsqu'on parle de climat, lorsqu'on parle de Grenelle, on oublie toujours un peu le patrimoine. C'est seulement après qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose à faire en matière de patrimoine. Et il faut qu'on espère aujourd'hui que s'il y a de nouvelles lois, de nouvelles directives, de nouvelles normes qui apparaissent, le patrimoine, quel qu'il soit, soit pris en compte pour que, au nom du développement durable, au nom du climat, on ne n'abîme pas nos bâtiments. Voilà un peu la problématique. Je ne vais pas vous en parler plus longuement. Je vais tout de suite laisser la parole à Yves qui va vous expliquer tout cela à travers peut-être sûrement des exemples. Et puis comme d'habitude, hein, c'est un café patrimoine, donc on est là pour discuter. Il ne faut pas être passif, hein, il faut parler et c'est un lieu d'échange. Voilà. L'alcool y est dedans. Je n'ai pas vu avant. Bonsoir à tous. Si ça ne vous gêne pas, bonsoir. Bien, ben, merci d'abord à Pierre et à l'association de m'accueillir. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger, surtout sur des thèmes qui sont, c'est pour ça que j'ai proposé ce titre, toujours un peu complexes parce que selon les lieux, on nous dit antagoniste de parler de patrimoine et de développement durable. Et je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas du tout comme ça que moi je vois les choses et qu'il faut les voir, mais qu'au contraire, il y a une forte convergence et des intérêts convergents entre la défense du patrimoine et ce qu'on appelle la rénovation thermique au sens large. Alors, d'abord, un élément de contexte, parce que la question, on pourrait se la poser, pourquoi parle-t-on de rénovation thermique tous azimuts? Pourquoi il y a une loi qui est en débat à l'Assemblée nationale? Vous le savez, c'est pas un secret, je ne vais pas vous faire de révélation. On est dans un contexte climatique mondial. Si on fait des comparaisons qui permettent de mieux comprendre ce qu'on imagine pour l'avenir de la planète, on dit d'ici la fin du siècle, dans un peu plus de 80 ans maintenant, on aura en moyenne au minimum 2 degrés de plus. Alors 2 degrés de plus, beaucoup de gens disent, c'est chic, période-ci de l'année, on sera déjà dans un printemps avancé, l'automne sera plus doux, etc. Ce qu'il faut imaginer, c'est que 2 degrés de plus pour la planète, c'est votre corps à 39 degrés. 39 degrés, on n'est pas très bien. On survit, mais on n'est pas bien. Fatigué, on n'est pas très en forme. Sauf que le 2 degrés, les climatologues disent aujourd'hui, on est plutôt sur une pente qui nous amène à 3,6 degrés. 3,6 degrés, ça veut dire qu'on est pas loin de 41. Et un corps à 41 degrés, ben, il ne vit pas longtemps. On peut avoir 41 de fièvre. On ne peut pas avoir en permanence 41 de fièvre. Ça, c'est pas possible. Et donc, la planète à 4 degrés de plus, c'est le corps humain à 41 degrés. Et donc, elle ne survit pas. C'est ça l'enjeu. Il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que soit on prend des décisions importantes, complexes, qui ne se mettront pas en œuvre par un coup de baguette magique, mais soit on y va volontairement et en accompagnant le processus, soit ça sera un drame, parce que ça sera nécessaire, et tout le monde est à peu près convaincu de la manière dont ça se fera dans ces cas-là, ça sera effectivement le désastre, et quelques-uns s'en sortiront au détriment des autres. C'est pas de dessin apocalyptique, mais des disparitions d'espèces, c'est des îles qui disparaissent, y compris en France. On parle toujours du Vanuatu, mais c'est l'île de Saint qui disparaît. C'est l'île de Ré qui est réduite à une portion congrue. Le pont, il ne servira plus à rien parce qu'il arrivera dans l'eau. C'est l'extrémité-là du pont, du côté de l'île de Ré. Donc, il y a plein de choses à refaire. Mais c'est ça, la réalité, avec la montée des eaux, des océans, si on ne fait rien. Et donc, il faut agir. Et agir, c'est faire quoi? C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, plus personne ne conteste l'origine de ces émissions. Et réduire ces émissions de gaz à effet de serre, ça passe par, entre autres, rénover les bâtiments. Alors, les bâtiments à Paris, il faut le savoir, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien. 27%, un gros quart. Et là aussi, quand on parle des bâtiments, c'est moitié le résidentiel, moitié le tertiaire. Alors, on va parler ce soir du patrimoine.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que globalement, le tertiaire, personne ne s'en occupe. On parle toujours, et toute la réglementation elle est faite pour le résidentiel, pour le tertiaire, en gros, c'est on fait confiance et ils feront bien les opérations. Pour m'occuper un peu de ça par ailleurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait dans le tertiaire. Enfin, en tout cas, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, même si c'est beaucoup plus simple, d'une certaine manière, de faire prendre des décisions dans le tertiaire que dans le résidentiel, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas une AG de copropriétaire qui doit décider, et qu'en moyenne, on le sait d'expérience, quand il faut faire prendre une décision pour la rénovation thermique, une AG de copropriété, c'est 3 ans. C'est ce qu'on constate, en moyenne, c'est 3 ans. Ça peut prendre beaucoup plus, rarement beaucoup moins. Dans une entreprise, quand il y a un patron, il veut décider de rénover son bâtiment, c'est beaucoup plus rapide. Pas les mêmes systèmes de décision. Donc, c'est un enjeu majeur de réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. On ne peut pas y échapper. Un point que je voudrais également souligner, parce que souvent on passe à côté. Quand on regarde la consommation énergétique d'un bâtiment, il y a 30% qu'on peut économiser quasi instantanément. C'est les comportements humains. 30% de gâchis, il n'y a pas d'autre terme, dans la consommation énergétique en France, c'est des appareils qui restent en veille jour et nuit, c'est des lampes qui servent de radiateur mais qui éclairent peu, hein, comme ça qu'on appelle traditionnellement les ampoules à incandescence, hein, parce que c'est 90% de chaleur et 10% d'éclairage, l'énergie consommée, pour ça qu'on appelle ça les radiateurs, par caricature, mais aujourd'hui, on peut très facilement baisser nos consommations par des comportements. Ah, même pas, évidemment, tous les appareils qui restent allumés jour et nuit, etc., etc. C'est 30% pour le bâti, pas plus. Le reste, les 30% qui restent, ils sont véritablement, enfin, on considère statistiquement qu'ils sont incompressibles. On n'arrivera pas à diminuer les consommations de plus de 66% des deux tiers. Il y a 30% qu'il faudra toujours consommer, parce qu'on aura toujours besoin de s'éclairer, on aura toujours besoin d'avoir des appareils. Vous n'aurez plus d'appareils électriques, évidemment, et je ne parle même pas des appareils connectés, parce que ça va accroître la consommation, mais on a 30% en gros qu'on considère qu'il faudra rester en termes de consommation. Simplement, d'un mot, 30%, c'est l'objectif de production d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que si on arrive à réduire nos consommations à 30% de ce qu'on consomme aujourd'hui, on sait intégralement produire l'énergie nécessaire pour faire vivre nos bâtiments, et tout le reste. On ne parle que des bâtiments. Le transport, c'est un peu plus compliqué. Donc, ces 30% sur le comportement, moi, je pense qu'il ne faut jamais les oublier, parce que lorsqu'on fait des opérations de rénovation thermique, on s'aperçoit que le comportement a un impact considérable, et que notamment, des fois, on a des projets superbes, où on dit, on va rénover le bâtiment, on va diviser par deux la consommation, par exemple, et puis on ne la divise pas par deux une fois que les travaux sont faits. Alors, on oublie que les gens ont des comportements, et qu'il y a notamment ce qu'on appelle l'effet confort, qui fait que lorsqu'on améliore le confort d'un bâtiment, les gens ont tendance à consommer plus qu'avant. Ça, aujourd'hui, on sait mesurer ça dans les opérations de rénovation. Et donc, c'est d'autant plus important qu'il ne faut pas se lancer dans des travaux inconsidérés si après, le comportement, évidemment, vient en contradiction avec l'ampleur des travaux qui ont été réalisés. Alors, le bâti parisien, le bâtiment parisien, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste du patrimoine, que les choses soient bien claires, mais l'expérience montre que globalement, plus on va vers du bâti ancien, peu de choses près, et moins on a de difficultés en termes de bâtiment pour la rénovation. Les bâtiments haussmanniens sont parmi les plus efficaces thermiquement. Il y a des problèmes, évidemment. Il y a des problèmes sur les ouvrants, ça c'est clair. Il y a des problèmes souvent sur le toit, puisque l'isolation par le toit, qui était traditionnellement dans les bâtiments haussmanniens, c'était le dernier étage, le comble qui n'était pas occupé, mais comme tout ça a été transformé en lieu d'habitation, il n'y a plus d'isolation, le comble servait d'isolation, d'isolant, et puis il y a éventuellement par le sol, voire quelques murs pignons, mais globalement, c'est de très bonnes factures. Et isoler des bâtiments haussmanniens, globalement, il y a très peu de besoins. Très très peu de besoins. Et on l'oublie trop souvent. Les bâtiments les plus récents ne posent pas non plus de réels problèmes. Ils sont aux nouvelles normes pour la plupart de la réglementation thermique, et donc ils ont des consommations qui sont acceptables. Je
parle des vraiment très récents. Très très récents. En revanche, on peut dire qu'en gros, tout ce qui a été construit à partir en gros, des années 70 et jusqu'à 2005, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est une époque où, malgré la crise pétrolière de 73, on a considéré qu'on n'était plus obligé de faire des économies. On a eu un discours sur le tout électrique qui allait tout régler, et donc on a construit des passoires. Avec des niveaux de consommation qui dépassent allègrement les 450 ou 500 kWh par an et par mètre carré. Je rappelle que l'objectif aujourd'hui, c'est 50 kWh par an et par mètre carré. Donc on en est à 10 fois ça. 10 fois ça. Et évidemment, quand il s'agit de se poser la question de ces bâtiments-là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'il faut rénover les bâtiments, tous les bâtiments anciens notamment ? D'abord, je crois qu'il faut rappeler une chose élémentaire, hein, c'est que les bâtiments, ils sont vivants, ils évoluent au cours de leur vie, et qu'on n'est plus dans des bâtiments tels qu'on les concevait il y a quelques siècles. Les fenêtres sont apparues à une époque, quelques siècles maintenant, un peu petit siècle, avant il n'y avait pas de fenêtres, enfin il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de vitrage. Et donc on a mis des vitres à ce moment-là sur des bâtiments existants. On a intégré le chauffage, généralisé le chauffage à un moment donné, on n'a pas dit... Ah non, il n'y en avait pas, on ne va pas le mettre. Chauffage collectif, chauffage au gaz, etc. On n'est pas resté avec des cheminées. Donc les bâtiments, ils vivent. Et donc, ne pas penser qu'aujourd'hui, des bâtiments, même anciens, doivent intégrer ces questions-là, c'est nier d'une certaine façon que les bâtiments vivent et s'adaptent en permanence. Et qu'il n'est pas question d'empêcher ça. Le vrai problème, c'est comment on le fait. Le vrai problème, c'est comment on le fait. Et comment on le fait intelligemment. Mais c'est surtout pas de dire qu'il ne faut pas le faire. Alors, on a un discours général assez catastrophique qu'on entend partout. C'est que les bâtiments, il faut les isoler par l'extérieur. Et si vous écoutez, y compris la loi sur la transition énergétique en débat en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est par l'extérieur qu'on isole les bâtiments. Alors c'est vrai que c'est la meilleure des solutions. Techniquement, c'est la plus efficace. Le bâtiment sous cloche, hein, ça revient gros à ça, et évidemment vous l'avez isolé. En même temps, en isolant tous les bâtiments par l'extérieur, on voit bien ce que ça donne. C'est la dénaturation totale du bâtiment, c'est catastrophique du point de vue du paysage, et en même temps c'est souvent inutile. C'est souvent inutile. Il y a des bâtiments qu'on ne saura pas faire autrement, parce que je le redis, on ne saura pas faire. Ça se justifie totalement, parce que la nature du bâti est tellement de mauvaise qualité à tout point de vue d'ailleurs, pas simplement d'un point de vue d'efficacité énergétique, mais même d'un point de vue patrimonial, que refaire des façades, ça ne peut que les embellir pour un certain nombre. Et donc, il ne faut pas s'en priver. Quand on a affaire à des horreurs architecturales, tout le monde en connaît, je ne vais citer aucun, comme ça je ne vexerai personne, mais non, ceux qui les ont construits, non. Mais dans ces cas-là, les refaire, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il ne faut pas hésiter. En revanche, pour d'autres, ça n'a pas grand sens. Alors, en même temps, on voit bien que quand on isole par l'extérieur, on va très vite se heurter à des types de bâtiments sur lesquels, si on les isole, tel que c'est fait aujourd'hui, on se demande ce qui va rester. Prends l'exemple des bâtiments en briques, de ce qu'on a appelé abusivement la ceinture rouge, parce qu'elle n'est pas là, la ceinture rouge, historiquement, mais tous les HBM qu'il y a le long des maréchaux. Évidemment, si on isole par l'extérieur, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste en termes de patrimoine ? Plus grand-chose. Donc, la question, elle est posée et elle est complexe. En plus, c'est vrai que c'est bien d'isoler par l'extérieur, théoriquement, parce que ça évite de toucher à la taille des pièces. Et si je reprends l'exemple des bâtiments en briques, des HBM, les pièces sont plutôt petites. Si vous mettez 30 cm d'isolant à l'intérieur, il ne reste pas grand-chose. Autre inconvénient de l'isolation par l'intérieur, c'est qu'il faut refaire tous les réseaux qui courent sous les fenêtres, les radiateurs, les machins, il faut tout refaire. Donc c'est compliqué. Vous êtes en milieu occupé, trois quarts du temps. Donc ça veut dire que des travaux qui vont gêner les gens. Par l'extérieur, vous n'avez pas tout ça. Si en plus vous faites ça au moment où il y a un ravalement, économie d'échelle, évidemment, une pierre de coup, c'est plus intéressant économiquement. En même temps, encore une fois, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire.
Alors, je rappelle aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il y a cette espèce de fixation sur l'isolation par l'extérieur, c'est que la loi de transition énergétique prévoit qu'il y aura une obligation de faire de la rénovation énergétique à chaque fois qu'il y aura une hydraulique durable. C'est-à-dire que ça intègre l'idée que c'est nécessairement au moment où on va faire le ravalement qu'il faudra faire de la rénovation thermique, et donc par l'extérieur. Et donc par l'extérieur. Ce qui est une catastrophe pour un certain nombre de bâtiments, parce que si on nous dit, bâtiment haussmannien, vous n'avez pas le choix, vous faites le ravalement, mais vous faites l'isolation, et a priori par l'extérieur, ça n'a aucun intérêt, aucune utilité, et donc on passera à côté des bonnes solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première des choses à faire, de mon point de vue, quand on se pose la question d'un bâtiment et de sa rénovation thermique, c'est de se dire, mais si je faisais un audit, un bon audit énergétique, et pas un diagnostic de performance énergétique. Vous savez que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est obligatoire. À chaque mutation, on doit le produire. Ces DPE, c'est tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça dépend totalement, c'est la loterie, du bureau d'études qui va vous faire votre diagnostic de performance énergétique. Pour en avoir professionnellement fait quelques dizaines, enfin fait faire quelques dizaines, je peux vous dire que vous êtes le meilleur et le pire. Et pour deux bâtiments parfaitement identiques, vous pouvez arriver à des résultats totalement contradictoires. Et donc, il faut passer par un audit, qui est un vrai travail de professionnel, et qui va permettre de repérer où sont véritablement les enjeux de la rénovation thermique. Quelle est la part des déperditions qui est liée aux ouvrants, qui est liée aux toitures, qui est liée au sol, etc. Et là, une fois qu'on a un vrai diagnostic, vrai audit, là, on est capable de se poser les bonnes questions de ce qu'il faut. Mais encore une fois, dans les belles expériences, on voit que t'as de bâtiments sur lesquels, a priori, ce qu'il faut faire n'est pas ce qu'on imagine. Il ne faut pas se tromper, sinon, là, on peut vraiment abîmer le. De la même manière que quand vous avez un vrai diagnostic, vous allez vous apercevoir que des fois, en travaillant sur la régulation du chauffage, en travaillant sur la gestion même du bâtiment, et ça c'est vrai dans le privé comme dans le public, vous allez baisser vos consommations de manière considérable parce que simplement, typiquement dans le bâtiment collectif, les chauffages ne sont pas régulés comme ils devraient l'être. L'équilibrage thermique du bâtiment n'est pas fait. Vous avez des gens qui ont froid et d'autres qui ont chaud parce que le travail n'a pas bien été fait. Et donc on va vous demander de faire des travaux pour faire baisser vos consommations qui n'auront aucune efficacité si en amont vous n'avez pas fait d'abord ces rééquilibrages, ce travail sur les systèmes techniques. Et donc il ne faut pas se tromper là non plus. Si on veut vraiment arriver à quelque chose de bien. Alors, dernier point sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, on voit fleurir, ce que moi j'appelle, j'ai repris ça, qu'on avait vu ailleurs, près de chez toi, le business de la rénovation. C'est-à-dire qu'il faut se méfier aujourd'hui des gens qui, parce que c'est leur job, poussent à la rénovation, et vont proposer des choses qui sont totalement démesurées par rapport à l'efficacité. On le sait, le dernier kilowattheure à gagner coûte 10 fois plus cher que le premier. Et donc, il faut faire extrêmement attention, ne pas vouloir aller trop loin dans la rénovation thermique, parce qu'à un moment, il n'y a plus aucune efficacité économique, pas de capacité de retour sur investissement, et donc on fait rien. Et donc, c'est pareil des 80-20, il faut mieux faire 80% qui sont efficaces, 20% plutôt que les 20% qui restent et qui coûteront 80% du budget. Et ça, moi, je mets toujours en garde sur ce business qui est l'œuvre des lobbyistes, évidemment. Alors, la difficulté quand on a affaire à un bâtiment qui a une valeur patrimoniale, c'est de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble dans la rénovation. C'est à la fois des architectes qui véritablement une capacité de comprendre le bâtiment, son origine, ses évolutions, vraiment la compréhension du bâtiment. Un bureau d'études techniques qui, lui, va arriver avec des solutions techniques qui sont justes, mais qui peuvent complètement remettre en cause le bâtiment, ce que tu disais sur le développement durable. Donc, évidemment, des spécialistes du patrimoine, je n'en injure à personne, tous les architectes ne sont pas des spécialistes du patrimoine, ça tous les jours, hein. Il y en a même qui portent plainte contre des projets architecturaux, hein, ça arrive. Et c'est de faire travailler tous les gens ensemble en disant comment on élabore un projet qui sera respectueux
à la fois du patrimoine, mais aussi des objectifs de développement durable, de rénovation thermique, etc. Et, je le dis au passage, du bien-être à l'intérieur et notamment des conditions financières. Aujourd'hui, moi je préside l'Agence parisienne du climat. Quand on fait de la rénovation thermique, on va jusqu'à aider les gens en grande difficulté financière à trouver les financements, voire à faire en sorte que ça leur coûte rien. Et on arrive, bel exemple dans le 13e arrondissement, on a fait une rénovation sur une copropriété, une quinzaine de propriétaires, et des personnes qui étaient en grande précarité, vous savez, zéro centime d'euros pour eux. C'est-à-dire qu'on aide, y compris à l'accompagnement financier. Juste une incise, alors, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas, enfin si vous êtes propriétaire en tout cas, n'hésitez pas à faire très rapidement des travaux de rénovation, parce que pour l'instant c'est en moyenne 25% de subvention. En 3 ou 4 ans, je peux vous dire, il n'y aura plus de subvention. Enfin, ça, c'est juste une petite parenthèse. Alors, je pense aussi qu'une des difficultés, c'est qu'on a tendance à reproduire des choses qui ont déjà été faites. En matière de rénovation thermique, moi ce que je vois en ce moment, c'est plutôt « Ah ben ça c'est déjà fait là, on refait la même chose. » Et on reproduit les mêmes méthodes, on reprend les mêmes matériaux, on reprend les mêmes techniques, etc. Et il y a un manque cruel d'imagination. Mais cruel d'imagination. Et il y a un manque cruel d'imagination... y compris parce que, alors, notamment dans les professions du bâtiment, les professionnels ne sont pas formés. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté à trouver de bons professionnels, y compris dans la construction neuve, il faut le savoir. Hein, dans la mise en œuvre, on a beaucoup de difficultés. Moi, j'avais signé en 2007 des conventions de formation avec les professionnels du bâtiment à Paris. Les formations n'ont jamais été mises en œuvre. Ça redémarre, mais... presque 10 ans de retard. Et donc on a une difficulté à trouver des bons professionnels. Et puis on a aussi une difficulté, enfin moi je le dis, alors je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde, mais avec une espèce de standardisation avec des outils comme le BIM, hein, qui sont poussés par un certain nombre d'architectes, qui est, on modélise complètement le bâtiment, tout doit être standardisé, et après on appuie sur le bouton, on sait que c'est la fenêtre machin, on sait que c'est... le radiateur truc, et en fait, ces radiateurs, ces fenêtres et tout, c'est quoi? C'est les fournisseurs qui ont mis dans des catalogues informatisés leur matériel, et du coup, avec ce type d'outils, on est un peu coincé par les fournisseurs, hein, qui, eux, imposent leur matériel. Et donc, là aussi, il faut faire très très attention à ce qu'on ne tombe pas dans ce type de standardisation, mais qu'on soit capable de faire du sur-mesure à chaque fois, parce que chaque bâtiment a un besoin spécifique dans sa rénovation. On ne va pas traiter du tout de la même manière les vitrées comme celle-ci, ou évidemment la façade du restaurant d'en face, ça n'a rien à voir. Qu'on soit capable de faire du sur-mesure et éviter justement la standardisation avec ce type d'outil. Je sais que c'est un débat qui traverse les architectes, mais je pense qu'il faut vraiment avancer. Et puis il manque un élément essentiel en France, qu'on trouve dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle une matériothèque, c'est-à-dire une bibliothèque, entre guillemets, de tous les matériaux, avec leurs caractéristiques, la capacité de les utiliser dans telle et telle condition, leur interaction éventuellement, etc., ça n'existe pas. Alors que ça existe dans d'autres pays où on peut aller fouiller et donc récupérer comme ça des matériaux intelligents, innovants, et qui ne sont pas les matériaux standards du marché. Aujourd'hui, en dehors de la laine de roche, vous avez bien du mal à trouver, ou alors si votre produit est encore pire, qui soit des isolants. Il y a une espèce de standardisation, hein, et on ne fait pas grand-chose. Sinon, on veut du polystyrène à tour de bras, cochonnerie sans nom, mais voilà. Et on n'a pas vraiment, ou très peu, de matériaux repérés. Et pourtant, il y a des savoir-faire là aussi importants. Et puis, il y a un point encore, qui est l'absence de recherche-développement digne de ce nom. Aujourd'hui, on a sur le marché, entre guillemets, des matériaux qui font 1 cm d'épaisseur, qui ont le même pouvoir isolant que 30 cm de laine de roche. 1 cm d'épaisseur, vous imaginez, ça veut dire que vous posez différemment la question de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. 1 cm, c'est plus un problème. En tout cas, c'est moins un problème. Sauf qu'ils valent des fortunes, parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils ne sont pas mis à disposition, et que donc, il y a très peu de metteurs en œuvre, si j'ose dire, de professionnels qui les utilisent. Si la recherche-développement, et moi je pousse beaucoup à ce que la recherche-développement poursuive ses efforts,
continue à travailler sur des matériaux innovants, on aura des solutions qui aujourd'hui n'existent pas encore, en tout cas qui n'existent pas pour tout le monde, qui vont permettre d'avoir une autre approche. Et la question notamment de l'isolation, la question des fenêtres, évidemment, se posera dans d'autres conditions. Mais il y a très très peu de recherche-développement. Pour savoir un peu ce qui se passe dans ce domaine, on a beaucoup beaucoup de retard. Et puis, on voit aujourd'hui des choses qui bougent. Vous n'avez pas de lustre ancien ici, cristal avec 160 ampoules, mais je peux vous donner l'exemple du salon de la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Toutes les ampoules sont remplacées par des LED, des lampes électro-luminescentes. Aujourd'hui, les fabricants font du sur-mesure. Vous leur dites, je veux une ampoule qui a telle forme, ils vous font une LED qui a telle forme. Ils savent faire. Techniquement, il n'y a plus aucun problème. Mais il faut que demain, on arrive à faire ça pour tout. Pour les fenêtres, pour n'importe quoi. On sait le faire pour les fenêtres, techniquement, avec des prix de revient considérables. Mais il faut qu'on arrive à faire du sur-mesure pour le reste, comme on est capable de le faire pour des lampes. Alors, sur les fenêtres, là aussi, il y a une espèce de mythe qu'une bonne fenêtre, c'est une fenêtre en triple vitrage avec un gaz à l'intérieur, le verre traité pour renvoyer le rayonnement, etc. etc. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vrai quand on fait du neuf, parce qu'il n'y a pas raison de s'en priver. Pour de la rénovation, il y a bien d'autres solutions, mais qui sont rarement proposées. Si vous allez voir un bureau d'études et que vous avez parlé sur les fenêtres de l'étage du dessus, ici, vous allez voir un bureau d'études, ils vont proposer de changer la fenêtre et de la remplacer par une fenêtre en triple vitrage, avec toutes les difficultés que ça va poser sur l'épaisseur des bois, etc. etc. Et vous vous dites, non, on met une deuxième fenêtre à l'intérieur. Deuxième fenêtre à l'intérieur, qui elle peut être éventuellement en double vitrage, il n'y aura pas besoin de triple vitrage, qui n'aura pas besoin d'avoir toutes les caractéristiques du verre extérieur, etc. Et vous avez une lame d'air de 20 cm, ça vous coûtera 10 fois moins cher, et vous aurez la même efficacité énergétique. La même efficacité. Mais ça, c'est jamais proposé, parce que c'est pas rentable. Et donc là aussi, on a une difficulté à faire admettre qu'on peut travailler différemment. On peut travailler différemment, et je pense que, notamment dans des immeubles, de cette manière, il se trouve que par hasard, c'est dans le logement que j'occupais, il y avait, j'ai loué, il y avait des doubles fenêtres. Je veux dire, j'étais sur un plus grand carrefour de Paris, je n'entendais pas un bruit. Pas un bruit. L'isolation phonique et thermique est parfaite. Donc ça marche. Et c'était deux fois du simple vitrage. Vous imaginez si vous montez du double vitrage. Bon, donc c'est des choses qu'on trouve. Et l'intérêt aussi de faire ça, c'est qu'on a beaucoup moins de difficultés avec certaines catégories d'architectes, notamment les ABF. Moi, j'ai eu l'occasion de voir sur tout le Palais Royal à l'intérieur, les bâtiments qu'il y a. Il y a eu un début de rénovation après le ravalement, quasiment terminé. Et puis, il y a quelques personnes qui ont dit, on va faire du triple vitrage, on va mettre on va en profiter pour changer les fenêtres. Et bien, veto des ABF, pourquoi? Parce qu'un triple vitrage, de loin, la fenêtre, elle est bleue, elle n'est pas noire. Et si vous avez une double fenêtre, elle reste noire. Et donc, vous voyez comment, y compris avec les ABF, on peut travailler pour changer l'approche et éviter les conflits, parce que les gens qui avaient mis du triple vitrage ont été obligés de changer leur fenêtre après. C'est quand même un peu dur, ça. Comme ça arrive à posteriori, ça tient là. Bon, ben voilà. Et donc, on peut, là aussi, retravailler. Moi, j'avais commencé à travailler avec les ABF en 2007 sur les panneaux solaires, les conditions d'installation de panneaux solaires à Paris. On a réussi à trouver des points d'accord. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est vraiment, en amont, voir avec eux comment on peut travailler sur des solutions et pas essayer de passer avec les standards du marché. C'est évidemment, ça ne marche pas tout de suite. Et puis, je crois aussi qu'il faut que on soit en capacité de faire évoluer la réglementation et les normes. Aujourd'hui, on a une réglementation thermique, c'est ça que ça s'appelle, qui est d'une telle complexité que, en gros, pas grand monde qui la maîtrise réellement. C'est plus une obligation de moyens que de résultats, d'ailleurs. Et en plus, on s'aperçoit qu'elle ne produit pas toujours les effets qu'on imagine. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut aller vers la simplification. Le gouvernement a dit qu'il voulait la simplifier. Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. C'est nécessaire, y compris parce que des fois, ça se traduit par de la surconsommation. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, quand on fait une rénovation, dans un certain nombre d'endroits, on nous dit « Ah, vous n'avez pas le choix, il faut mettre une
ventilation mécanique double flux, parce que le renouvellement d'air, etc. On sait très bien le faire en ventilation naturelle, qui consomme zéro. Zéro. Mais il y a une obligation de mettre des VMC dès lors qu'on est dans des bureaux, etc., et donc avec une consommation énergétique. Mais ça, on n'a pas le droit de mettre de la ventilation naturelle. Il y a eu des propositions, certains d'immeubles dans le cadre de rénovation d'appel d'eau de la ville de Paris, ça a été interdit. On a imposé, lors de la rénovation, de faire des VMC double flux. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc on voit comment la rénovation qui vise à l'efficacité peut être quelquefois contradictoire avec son objectif même. Autre exemple que je peux donner, par exemple, c'est les toits. Les toits, vous savez qu'on a modifié le PLU en 2006, c'est un peu plus tard, premier PLU, on l'a modifié un peu plus tard, pour autoriser sur le toit le dépassement de hauteur dès lors qu'on met des appareils de production d'énergie renouvelable. Ouais, c'est très bien, mais aujourd'hui, sur un bâtiment haussmannien, si vous voulez isoler le toit et pas réduire de 30 cm éventuellement la hauteur sous plafond, ben vous n'avez pas le droit d'augmenter de 30 cm la hauteur du toit, parce que vous allez dépasser du gabarit. Et donc, nous, ça fait partie des choses qu'on a portées dans la modification en cours du PLU, c'est de dire que si c'est pour de l'isolation, il n'y a pas de raison de dire que pour mettre un panneau photovoltaïque au-dessus, on a le droit de dépasser la hauteur, mais si c'est pour isoler le toit, on n'a pas le droit de dépasser la hauteur. On a le droit de le faire sur les façades sur rue. On a le droit d'être en dépassement sur les façades sur rue, mais pas sur le toit. Typiquement, le genre de réglementation archaïque qui empêche de faire des chutes. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, il faut travailler, mais on est sur des choses comme ça, de manière un peu délicate. Alors, moi je crois qu'il y a pas mal de réalisations dans Paris qui montrent que c'est non seulement faisable, mais que quand on regarde les résultats, très franchement, c'est tout à fait à la hauteur. Je prends quelques exemples très concrets. Si on prend ce qui a été fait, alors notamment, je les cite parce que ça mérite d'être cité, Pascal Gontier au château de Longchamp. Alors, c'est un projet, parce que malheureusement, c'est un peu compliqué, mais le château de Longchamp, dans le bois de Boulogne, c'est un bâtiment très ancien qui a subi les outrages de travaux pendant des décennies et des décennies, qui était à moitié à l'abandon, mais un bâtiment qui est, en gros, d'une très bonne facture. WWF, qui en est l'occupant, avait fait un projet de rénovation. Et Pascal Gontier a dit, moi je le prends, et tout son projet a consisté à travailler sur justement le bâti existant, etc. Et il a fait un superbe projet qui malheureusement va être mis en œuvre, mais ce ne sera pas WWF, ce sera sans doute Bernard Plus-Bertrand qui va reprendre le projet, et qui est absolument parfait, et qui montre qu'on n'est pas obligé de tout casser, de tout refaire, etc. Et qui va faire un bâtiment, non pas énergie positive, mais en tout cas avec une très faible consommation. Il a rénové des bâtiments faubourgiens dans le 20e, le quartier Fréquel-Fontarabie, et il est arrivé à moins de 80 kWh par an et par mètre carré, ce qui était l'objectif maximal qu'on avait fixé pour la ville de Paris. Et là, il a voulu mettre la ventilation naturelle, par exemple, on lui a interdit, sinon il baissait encore plus la consommation. Donc on sait faire, et ça sur du faubourien, et sans isolation par l'extérieur nécessairement, enfin je veux dire, on y arrive très très bien. Si on regarde ce qui a été fait dans le 12e, il y a un bâtiment qui s'appelle la Fontaine d'Aligre, Place d'Aligre, bâtiment des années 70. Ben, ils viennent de terminer une rénovation qui n'a pas été gigantesque, mais ils sont passés de 236 kWh à 127 kWh par heure, divisé par deux, en travaillant sur les fenêtres, en travaillant sur les balcons, etc. Ils n'ont pas tout refait. Il n'y a pas d'isolation nouvelle par l'extérieur. Ils sont arrivés à diviser par deux la consommation. Donc là aussi, c'est faisable. Autre exemple, plus compliqué, les travaux viennent de démarrer, vous les avez peut-être vus, sur la tour Super Montparnasse, qui se trouve le long du faisceau ferroviaire de Montparnasse. Une tour de 32 étages, 250 quelques copropriétaires, tour construite par Bernard Zerfus, donc avec une empreinte patrimoniale très forte, un bâtiment qui a été fait entièrement avec un revêtement en pâte de verre. Eh bien, là encore, les travaux sont en cours. On a travaillé parce qu'évidemment, il n'est pas question de remettre de la pâte de verre. Il se casse la figure au fur et à mesure. Il manque des plaques entières de pâte de verre. Et là aussi, travailler avec la RIEF, que au départ, je veux de la pâte de verre. Et puis, il y a eu un travail sur rechercher des matériaux qui vont donner non pas l'apparence de la pâte de verre, mais qui en tout cas vont parfaitement pouvoir remplacer la pâte de verre. Et on va arriver à un résultat où on passe de 206 à 115 kWh.
et avec des prix de revient tout à fait acceptables. Donc ça, c'est pas le point qui fait ça. Et puis le dernier point, alors ça c'est un projet, je vous le livre, c'est un scoop, c'est l'Hôtel de Ville de Paris. Puisque je suis chargé d'une mission pour faire des propositions dans ce domaine. Ça sera pour les années qui viennent, mais un bâtiment particulièrement compliqué quand on voit ce qu'il est avec ses vitraux, avec un tas de structures très compliquées. Et on a lancé le défi avec Anne Hidalgo d'en faire un bâtiment exemplaire après rénovation. Je suis sûr que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, en conclusion, j'ai déjà été trop long et il faut qu'on puisse échanger. Je pense que si on a un rôle à jouer, et là, les associations ont un rôle à jouer, et notamment la vôtre, c'est de pousser à ce qu'il y ait un vrai travail collaboratif sur cette question patrimoine et rénovation thermique. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la main à ceux qui font ça tout seul dans leur coin. Qui est, d'une part, au sein de la commission du Vieux Paris, mais ça c'est relativement facile, mais pas seulement, qui est vraiment un travail de réflexion sur comment on travaille en matière de rénovation thermique des bâtiments qui sont avec des valeurs patrimoniales réelles. Qu'on sorte des dogmes du tout par l'extérieur, du triple vitrage systématique, etc., etc., qui deviennent des règles de fait et qui empêchent les travaux d'avancer. Je pense que vraiment, il faut qu'il y ait autour de table tous les professionnels, dans tous les domaines. Et que là, effectivement, y compris les pôles de compétitivité, là, comme Advanced City, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient là pour qu'on puisse leur dire, mais comment vous faites de la recherche-développement? Parce qu'on a tel besoin. Et si on a tel besoin, c'est à vous. Ils sont faits pour ça, les pôles de compétitivité. C'est à vous d'engager la recherche, d'engager les expériences pour répondre à ces besoins. Et pas simplement les architectes, le bureau d'études, les spécialistes du patrimoine. Il faut mettre autour de la table les industriels. Parce que c'est eux qui demain vont produire. On a eu il n'y a pas longtemps en Angleterre des gens, alors bien sûr que c'est eu beaucoup d'avenir, mais qui avaient conçu une peinture pour mettre sur les toits, notamment sur les toits teints, qui avait l'efficacité relative de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que la peinture avait des ingrédients qui permettaient de capter la lumière, hein, et donc de transformer ça en électricité. Ben évidemment, c'est mieux que de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits en termes de paysage. Aujourd'hui, ça n'a pas une grande efficacité. Mais c'est en travaillant sur ce type de recherche-développement que demain, on aura des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. Hein. Et se dire que... Alors, ce n'est pas ni le classement des toits de Paris au patrimoine de l'UNESCO, ni effectivement la végétalisation de tous azimuts qui doit régler la question. C'est comment on fait de la recherche pour arriver à quelque chose de plus intelligent. Moi, je pense que de ce point de vue-là, la défense du patrimoine, c'est un accélérateur formidable, mais potentiel encore, pour l'ensemble de la rénovation thermique. Parce que ce n'est pas sur des bâtiments simples de type... le bâtiment de 12 étages des années 70, qui n'est pas très compliqué à isoler, qu'on fera progresser. C'est justement en partant de bâtiments avec une forte valeur patrimoniale qu'on va changer les choses. Et c'est pour ça que je dis, et ce sera ma dernière phrase, qu'il y a convergence et non pas contradiction entre patrimoine et rénovation thermique. On a une chance extraordinaire, c'est un levier formidable, et il faut s'en saisir. Voilà. Ah, super. Merci. Alors, des réactions ? Voilà. Vous semblez partir du postulat que la loi en cours de discussion va permettre des variations très intéressantes que vous avez décrites. Où en est cette loi et que vont faire nos élus ? Si j'étais capable de vous répondre, je serais président de la République. Non, parce que si nos élus répondent uniquement isolation thermique par l'extérieur, c'est obligatoire partout et pour tout le monde, il y a quand même un problème. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire... Ah, mais ils l'avaient dit. Ils l'avaient voté. Là, en première lecture. En première lecture. En première lecture, il a été dit, lorsqu'il y a un ravalement, il y a une obligation de se poser la question de la rénovation thermique. Mais il n'y a rien qui dit comment elle doit être faite. C'est plus implicite que ça. Puisqu'on dit, c'est au moment du ravalement. Mais il n'y a pas explicitement dit dans la loi que vous devez, au moment du ravalement, faire l'isolation par l'extérieur. Sauf qu'évidemment, ça pousse à ça.
comme on sait le prix d'un échafaudage, le prix de revient à la part de l'échafaudage dans une rénovation ou dans un ravalement, rénovation par l'extérieur, sur, par exemple, la tour Super Montparnasse, c'est 25% du prix. 25% du prix, hein, l'échafaudage. Donc évidemment, on a tendance à se dire, si on peut faire l'économie de deux échafaudages, on va le faire. Et donc, ça va pousser à ça. Je pense qu'en deuxième lecture, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, les élus, globalement, aient envie de changer. Et donc, la loi, elle sera sans doute votée comme ça. Sauf que, vous savez, la loi, ce n'est pas parce qu'elle est votée qu'elle est appliquée. Malheureusement, il y a plein de lois pas appliquées en France. Ça se saurait. Alors, d'une part, il y a le décret, ça c'est toujours compliqué. Alors, je ne sais pas s'il en faut un ou pas pour cet article de la loi, je n'ai pas regardé. Mais au-delà de ça, c'est qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit, pour prendre la loi sur l'accessibilité, hein, pour les handicapés, tout devait être terminé il y a déjà quelques années. Et puis, on n'arrête pas de reporter. On s'aperçoit que c'est parce qu'on l'a décidé que c'est faisable. Donc, on se pose des questions maintenant de remettre en cause l'esprit même de la loi qui était « tout doit être accessible hein, ». Et on est plutôt à dire « il faut qu'il y ait une partie accessible et plus forcément la totalité ». Ce qui change beaucoup de choses, ce qui fait hurler évidemment l'Association des paralysés de France, mais c'est, voilà, c'est le type de débat. Mais là-dessus, on aura la même chose, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on va dire « ah oui, il est prévu n'importe quel bâtiment », puis on va dire « pas les palais dédiés, il faut faire leur ravalement ». On va faire l'isolation ? Bah non. Et donc, déjà, tous les ministères ne feront pas de ravalement par l'extérieur. Déjà. Donc, l'État va se rendre compte qu'il ne le fait pas. Je rappelle quand même qu'en matière d'obligation, la loi Grenelle a prévu que tous les bâtiments publics, Grenelle qui a 5 ans, hein, doivent faire l'objet de travaux pour réduire de 38% leur consommation d'énergie d'ici 2020. Sur la base de 1992. Sauf que le décret n'a jamais été publié. Et donc la nature des travaux à effectuer, personne ne les connaît. Donc ça n'a pas commencé. Et donc il est évident qu'entre aujourd'hui, 2015-2020, les 38%, personne ne les atteindra. Donc des lois qui ne s'appliquent pas, il y en a plein. Celle-là ne s'appliquera pas. Elle ne s'appliquera pas. Elle s'appliquera de temps en temps. Parce qu'évidemment, ça sera une incitation. Et ça, c'est pas mauvais. À se poser la question de ne pas forcément faire que le ravalement, si une bonne opportunité en même temps de faire une isolation. Et ça, ça imposera quand même aux copropriétaires et aux syndicats de se poser la question, effectivement, de réfléchir un peu plus au lieu de faire des petits morceaux de travaux qui, à chaque fois, coûtent plus cher que s'ils étaient faits dans un paquet. Comme en plus, il y a d'autres modifications qui interviennent sur le financement des copropriétés, etc. Ça peut quand même booster un petit peu les prises de décision. Il faut le prendre comme ça, comme une incitation et pas comme une contrainte. La contrainte. De toute façon, je ne vois pas comment, vous savez, aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait imposer une copropriété de faire, au-delà du ravalement, une isolation si la copropriété ne l'a pas décidé. Juridiquement, certes, la commune pourrait le mettre en demeure, mais ça veut dire que la seule manière qu'elle a de le faire, c'est de faire elle-même les travaux et de demander le remboursement. Je peux vous dire que personne ne fera ça, y compris parce que les communes n'ont pas les moyens de le faire, financièrement. Merci. Il y avait eu quand même une proposition du GEMI Patrimoine, un amendement qui a été proposé pour justement moduler cette loi et ne la faire porter que sur des bâtiments d'une certaine époque, c'est-à-dire récente, à partir des années 50. Donc je pense que c'est plutôt vers là qu'on s'oriente. Je ne peux pas vous dire comment ça va se terminer. Vous savez, on a de telles surprises sur les votes des amendements à l'Assemblée nationale, des choses qui semblent totalement consensuelles et qui, à la dernière minute, volent en éclats, pour des tas de raisons qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le contenu de l'amendement, que c'est toujours très délicat. J'espère qu'effectivement, c'est évoluera, mais je ne peux absolument pas garantir. Enfin, je ne suis pas député, et comme une fois, on a une surprise. Vous savez, quand vous avez 15 personnes au moment du vote, c'est ça, hein, la réalité. C'est que ce type d'amendement, il passe à 2h du matin avec 15 personnes. Non, forcément. Bah, oui, il y aura beaucoup plus d'intérêts économiques qui vont pousser, justement, dans ces moments-là, à ce qu'on fasse passer des dispositions qui vont dans le sens de la rénovation systématique, enfin, en tout cas, vers l'extérieur, plutôt que de rechercher des solutions subtiles, sur mesure, bâtiment par bâtiment.
vous suggérez aux gens d'éteindre la lumière quand ils sortent de leur bureau du ministère, quoi. Qui réduisent le chauffage dans les centres de, les CRM de la ville de Paris où il fait 23, 24 degrés. C'est la mienne. Ouais. Il y a eu d'ailleurs une étude de la pure il y a quelques années qui allait dans ce sens-là, qui disait que, au bout du compte, si les gens acceptaient de ne pas être en slip chez eux et de réduire la température à 19 degrés, on aurait déjà des résultats de réduction de consommation énergétique très au-delà de tout ce qu'on pouvait obtenir avec les. 1 degré, c'est 7%. Ouais. Quand vous baissez de 1 degré votre chauffage, vous gagnez 7% de la consommation. En moyenne, dans les bureaux, pas dans les appartements, dans les bureaux en France, la moyenne, c'est presque 23 degrés. Ouais. 22 degrés 7. Donc si vous ramenez aux 19 degrés réglementaires, qui sont insupportables pour beaucoup de gens, il faut être honnête, si vous êtes près d'une fenêtre en hiver, et que la fenêtre n'est pas bien isolée, 19 degrés, c'est vraiment très insupportable. Ça dépend des gens. Globalement, c'est ce que disent les gens. 19 degrés, si on bouge un peu, ça va. Si vous restez assis toute la journée, c'est un peu juste. Mais vous imaginez ce que vous gagnez. Vous avez évoqué le besoin en recherche et développement, vous avez évoqué les matériaux tech, vous avez critiqué les protections extérieures, les isolations extérieures. Qui pourrait être moteur dans ce combat, le CSTB, les politiques, l'Europe? CSTB, c'est lui qui est à l'origine de la rénovation, de la réglementation thermique. Donc on ne peut pas dire que ce soit des grands innovateurs. Hein. C'est d'abord des techniciens, il faut être gentil, qui font de la réglementation. Aujourd'hui, il y a, je pense, un besoin que beaucoup de gens poussent. Ça ne peut pas être une partie seulement qui pousse. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre autour de la table tout le monde, y compris le pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, il va pousser ces entreprises que s'il sait que derrière, il y a des débouchés. Aujourd'hui, les entreprises font de la recherche, font du développement. Mais pour passer au stade prototype puis industrialisation, les coûts sont tels que s'il n'y a pas un peu des garanties qu'il va y avoir des marchés, elles vont beaucoup hésiter. Beaucoup hésiter. Et donc, il faut que là, les collectivités locales, à travers leurs appels d'offres, les grands organismes propriétaires, hein, les foncières, etc., poussent en disant « on a besoin ». Je peux vous donner un exemple dans un domaine qui n'est pas très éloigné, mais qui n'est pas tout à fait le même. En 2001, les bennes qui circulaient dans Paris pour ramasser les ordures étaient au diesel. Je suis allé faire un tour à Barcelone, j'ai vu qu'elles étaient toutes au gaz. Je suis revenu, j'ai dit, ben pourquoi nous on n'a pas au gaz? Zéro émission de particules, mais zéro. Division par deux du bruit du moteur. Un gain financier important, parce que le gaz, ça coûte moins cher que l'essence, même que le diesel. Et donc j'ai dit, je veux des bennes à gaz. Il n'y en avait pas en France. Et le fabricant qui fabriquait les bennes pour le fabricant italien, qui les vendait en Espagne, a dit « je ne les importe pas en France ». Il a fallu que dans notre appel d'offres, on impose le gaz pour qu'il importe des bennes à gaz. Du coup, ben, y a plein de villes autour qui ont dit ben, « s'il y a des bennes à gaz, on en achète ». Et c'est le sens de ce qu'on vient de faire là, en disant « on va, avec la commande publique, se regrouper entre villes, puisque maintenant il y a une directive européenne qui le permet, pour peser sur les marchés, de manière à ce que les fabricants les industriels se disent j'ai un débouché et donc ça vaut le coup que j'investisse. C'est comme ça aussi, la commande publique c'est 70% des achats en France. On l'oublie, hein. Donc c'est un levier fabuleux. Et c'est pour ça que je pense que les collectivités locales ont un rôle moteur à jouer. Et là c'est ce qu'on est en train de faire quand on demande à Grand City, qui est le pôle de compétitivité qui travaille là-dessus, d'avancer, pousser ses recherches, mais tout seul on n'y arrivera pas. Si les professionnels, les architectes, les bureaux d'études ne poussent pas avec nous, disant, oui, mais derrière, qui est-ce qui va mettre en œuvre? Qui est-ce qui va faire les propositions? C'est pas la ville. La ville, elle fait les appels d'offres, mais c'est pas elle qui va faire la proposition technique. On va le convaincre, il faut que ça peut être un axe de communication pour ces grands groupes. Absolument, il y en a qui ont parfaitement compris. Je sais qu'il y a eu une expérience qui a été, d'ailleurs, on était ensemble à la même réunion, Pierre et moi, qui a été lancée à Amérique du 3e pour tout le quartier de la République. Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'elles en sont les bilans, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais ce genre de choses, c'était quand même très intéressant comme idée. Alors, celle du 3e, elle démarre, donc on n'a pas encore de résultat. Vous pouvez parler de celle du 13e, on a fait ce qu'on appelle une opération, une OPATP, une opération programmée d'amélioration thermique de l'habitat, du bâtiment. On a fait ça pendant 3 ans. En 3 ans, on a réussi à avoir une dizaine d'immeubles. Une dizaine d'immeubles. C'est tout.
parce que c'est une structure, l'OPA, tellement compliquée que pour convaincre des gens d'y faire appel, c'est complexe. À côté de ça, on a l'Agence parisienne du climat. Elle en est à 300 copropriétés. Depuis combien de temps ? Elle a été créée en 2010. Ouais, on en est à 300. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout la même technique, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que des gens viennent frapper à la porte en disant « j'ai un besoin », on va voir les gens. Là, on vient de signer un partenariat avec tous les syndics pour que les syndics soient formés, ce qui est déjà énorme, hein, et que deuxièmement, ils aillent véritablement dans les agents de propriété pour expliquer l'intérêt de la rénovation, pourquoi, y compris en termes financiers. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va leur coûter une fortune et qu'ils n'auront jamais de retour sur investissement. Et pour cause, parce que le discours qu'on entend, c'est que c'est pas rentable. Alors c'est pas rentable quand, effectivement, on ne calcule pas l'évolution du prix de l'énergie. Et quand on réintègre le coût de l'énergie et de son évolution, ça devient très vite rentable. En moyenne, c'est 7 ans aujourd'hui. 7 ans l'amortissement. C'est plus 20 ans, comme on le disait il y a encore 5 ou 6 ans. À 7 ans, vous commencez à pouvoir faire investir des tas de gens. Hein? À 20 ans, il y a des gens qui hésitent. Notamment les gens qui ont plus de 60 ans, ils hésitent. Mais d'abord, les banques ne prêtent pas beaucoup. Alors que là aussi, il y a des dispositifs spécifiques maintenant. 7 ans, c'est moins problématique. Alors ça veut dire qu'avec cette agence, vous allez systématiquement, c'est vous qui allez voir les services de copropriété. Nous, vous êtes capable de donner les conseils, ouais. Parce que vous évoquiez le manque de conseils avant l'agence. Vous êtes capable de le faire. Il y a des personnes qui travaillent à l'agence, qui vont assister aux réunions de copropriétaires, qui les accompagnent, qui expliquent quelles sont les bonnes démarches, etc., les audits, qui accompagnent, qui vérifient l'audit, pour voir là aussi si on ne fait pas de sur-recommandation, qui sont capables d'accompagner tout au long, pendant 3 ans, 4 ans, en gros c'est 3 à 4 ans, hein, et jusqu'aux travaux. C'est dans certains secteurs que... Non, c'est tout Paris. Donc, tout Paris. On peut s'adresser, copropriété peut s'adresser à... Bien sûr. Où qu'elle soit. Bien sûr. Et vous disiez tout à l'heure, en prenant l'exemple de Saint-Pierre-Rouge de Paris, les immeubles HBM qu'on adore, comme architecte, ça pose le problème de l'isolation thermique par l'extérieur. Effectivement, c'est tout petit, ces logements, et doublé par l'intérieur, etc. Donc il faut bien isoler par l'extérieur. Donc ça pose le problème d'une nouvelle apparence de façade de ces immeubles, si tant est qu'on soit capable d'isoler par l'extérieur et de rajouter, par exemple, des clins en terre cuite, comme fait par exemple Piano dans son architecture. Donc ça peut donner droit à toute une nouvelle architecture de qualité, différente du patrimoine, mais le respectant néanmoins. Alors, c'est une solution. Moi, je dois dire que j'ai une solution beaucoup plus radicale, qui consiste à dire qu'on peut isoler par l'intérieur avec des matériaux de faible épaisseur, et avec 3 appartements, on fait 2. Alors, évidemment, il y a des gens dedans, vous dit-on. Ah oui! Eh oui, il y a des gens dedans. Alors, un, il faut quand même savoir qu'il y a une suroccupation, enfin une sous-occupation plutôt, je devrais dire, qui est chronique. Chronique, parce que les gens, notamment dans la région, sont souvent des gens qui les ont depuis très longtemps, qui n'ont plus d'enfants, et qui se retrouvent alors avec un nombre de pièces important, un nombre d'occupants faible. Mais qui ne changent pas pour une raison simple, c'est que s'ils prennent un nouvel appartement social, ça va leur coûter plus cher. Parce qu'ils vont avoir les nouveaux tarifs des logements sociaux et pas les anciens. Ça, tout le monde en a conscience, donc il y a un processus en cours pour dire non, s'il y a un échange, il faut que ça soit au même prix au mètre carré. C'est pas gagné, mais en tout cas, c'est en marche. Deuxième élément, la loi SRU a un inconvénient énorme. C'est qu'elle raisonne en nombre de logements par rapport à ce pourcentage de logements sur le nombre de résidences principales. Comme à Paris, le nombre de résidences principales diminue, vu que le nombre de résidences secondaires augmente, mécaniquement, le nombre de logements sociaux sans rien faire augmente. Deuxièmement, c'est assez facile d'augmenter le nombre de logements sociaux. Vous prenez un bâtiment que des 4 pièces, vous le rachetez et vous faites que des studios. Vous faites des résidences étudiantes, des studios. Ça compte pour un. Le résultat, c'est qu'en 15 ans à Paris, la taille moyenne d'un logement social est passée de 80 mètres carrés à 60 mètres carrés. Mais on atteint les 25% sans problème. Enfin, les 20%, puis bientôt les 25%.
C'est très facile. La vraie règle serait de raisonner en surface construite. Et là, effectivement, en surface construite, vous n'auriez pas cet effet pervers de la taille. Et donc aujourd'hui, dire qu'on va passer de 3 à 2 logements, c'est dramatique d'un point de vue de la loi SRU, parce qu'on va baisser le nombre de logements sociaux artificiellement. Sauf qu'on améliore le confort thermique, on améliore le confort de vie des gens dedans. Et donc il faut qu'à un moment donné, on soit capable de dire, je vais être vulgaire, les conneries, ça suffit. Parce qu'il faut sortir d'un système où on raisonne avec des modalités de calcul qui n'ont rien à voir avec la réalité. Encore une fois, les résidences étudiantes, c'est merveilleux pour faire du logement social. Il faut se poser la question quand même de est-ce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc, on en a besoin, certes, mais aujourd'hui, la demande essentielle, elle n'est pas, je peux vous le garantir, sur les résidences étudiantes. On est sur des gens qui ont besoin de logement. C'est logique de prime, c'est logique d'affichage. Mais alors, ça partait d'un bon sentiment, tout ça. Moi, je ne jette pas la pierre parce que c'est à une époque où voilà, c'est fait comme ça. Mais il y a toujours des effets pervers quand on prend des méthodes statistiques, toujours. Donc, il y a toujours des gens assez intelligents pour les mettre en route. Voilà. Donc, il faut qu'on soit capable de raisonner autrement. Et moi, je suis sûr que si on raisonne sur l'habitat réel, on peut. Alors, ça ne doit pas être systématique. Et encore une fois, avec des bons matériaux, en travaillant bien. Je suis sûr que sans dénaturer l'aspect extérieur, on doit pouvoir y arriver. Ça veut dire que dans certains cas, on n'y arrivera pas. Je suis d'accord avec vous, il faudra sans doute, de temps en temps, repenser intelligemment. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on fait un paysage homogène comme c'est aujourd'hui, ou est-ce qu'on dit chacun fait comme il veut, parce que ce n'est pas les mêmes bailleurs sociaux, et que donc on va casser justement ce paysage. Et c'est un problème, parce que le patrimoine, il n'est pas que individuel, il est aussi paysager. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce paysage ? Est-ce qu'on le détruit parce qu'on dit chaque gestionnaire pourra faire ce qu'il veut en termes d'isolation si on l'autorise par l'extérieur ? Je pense que c'est une vraie question qui n'est jamais posée, la question du paysage, hein, en termes de rénovation. Mais comme vous disiez, c'est pas le même sujet. D'accord. Okay. On peut déjà gagner au niveau de l'État, en installant une VNC, en changeant de Ça reste quand même. On n'a pas entendu la question, excusez-moi. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. Non, c'est pas une question, c'était prolongé en disant que sur ces bâtiments-là, on peut déjà améliorer considérablement les choses par des solutions qui ne nécessitent pas d'isolation, enfin, qui sont faites de mettre en œuvre une ventilation, de changer les fenêtres. On peut améliorer. Enfin, c'est les bureaux que... les BOT savent très bien, vous démontrez que vous montez trois catégories ou quatre catégories en faisant des petites choses comme ça et que ça permet d'avoir les subventions. Vous avez un mur en brique qui n'est pas très épais. Je peux vous dire, moi j'ai fait l'expérience d'amener des journalistes avec un pistolet thermique et puis vous regardez. Oui. Et vous voyez la déperdition par le mur, quoi. C'est dramatique. Mmh. C'est dramatique. Mmh. Et si les gens qui sont dans les petites pièces, au mur, exposés plein nord, en plein hiver, je suis désolé, bah, oui. Quand ils ont 17 ou 18 degrés, ils sont contents. Hein. Mmh. Comment on va appliquer dans les ETP à l'UP ? Il y avait monsieur qui avait demandé. Je suis désolé, je ne vous ai pas oublié. Voilà, je vous ai pas oublié. Mais du coup, pour prolonger aussi avant de poser ma question, ce serait quand vous parlez de faire de 3 logements ou 2 logements, comment vous arriverez à juger qui est-ce qui abuse ou pas des logements sociaux ? Parce qu'à mon avis, ce serait une solution, certes, qui est bonne, mais qui prend encore plus de temps que faire une isolation par l'intérieur. Si vous voulez réunir. Enfin, si vous voulez faire 2 logements, 3 logements, ça veut dire à quelqu'un qui s'en va de son logement, remettre 2 personnes dans 2 logements, comment vous jugez qui abuse et est-ce que vous pensez que ça prend encore plus de temps ? Écoutez, moi j'ai quelques expériences. Hein. Dans le 3e arrondissement où j'étais élu avant, il y avait un grand bâtiment énorme, dans une cour, qui appartenait à un banquier qui ignorait qu'il était propriétaire du bâtiment. Ce bâtiment fait l'objet d'une réquisition. Par M. Périssol, alors ministre du logement. C'est là que le banquier a découvert qu'il était propriétaire. Pourquoi ? C'est un peu surprenant. Et voilà. C'est une époque où les banques avaient beaucoup de propriétés comme ça. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur des gens qui habitaient. C'est pas vide. Alors, il y a des squatteurs, il y a du logement de fait, ce qu'on fait du logement social de fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit aux gens, voilà, il va falloir tout refaire. C'était vraiment en ruine. On leur a dit. On vous reloge, mais vous avez un droit de priorité pour revenir si vous le souhaitez. Et on vous reloge le temps de faire les travaux, pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, si vous le souhaitez, vous êtes prioritaire pour revenir. Mais dans des logements qui correspondent à vos normes. Il y a des normes hein, en matière de logement social. Si vous êtes un couple, vous n'avez pas le droit d'avoir 4 pièces. Ça,
c'est interdit. Vous ne pouvez pas attribuer un 4 pièces à un couple sans enfant. Il y a des règles très strictes sur le nombre de pièces en fonction de la composition de la famille, etc. Bon, donc c'est, tout ça est réglementé. Donc, quand on a fait ça, on s'est aperçu, et tout ça, qu'au bout de 3 ans, il y a des agents qui disent « Ouais, je ne reviens pas parce que tout compte fait, je me suis installé à un autre endroit, ben, j'y suis bien, je me suis refait des amis, etc. » Tout le monde n'a pas envie de revenir. Il y en a à peu près 1 sur 2 qui revient. Et donc, on règle les questions comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tous les gens qui vont s'en aller vont vouloir revenir. Y compris parce que vous avez des gens que vous allez reloger dans de meilleures conditions que ce qu'ils ont actuellement en termes de confort, en termes éventuellement de quartier. Et donc, il y a des gens qui sont en attente pour faire des changements depuis 10 ans des fois, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le logement qui correspond à ce qu'ils veulent, y compris financièrement. Donc là, si vous leur donnez... dans ces cas-là, vous allez avoir des gens qui vont effectivement vouloir revenir après, mais pas tous. Et donc l'opération, elle est faisable. Alors, l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut avoir des logements tiroirs, ce qu'on appelle. Bon. Mais ça, franchement, c'est pas une vraie difficulté. Mais aujourd'hui, on construit des logements dans Paris. On a construit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mort. Allez voir sur le boulevard Madeleine. Allez voir sur le boulevard McDonald's. Regardez ce qui s'est fait sur les magasins généraux, les anciens magasins généraux. Il y a plein de logements. Et on les livre au fur et à mesure. Donc il suffit de dire qu'on va en garder 100 ou 150 qui vont servir pendant 20 ans à faire du logement, relais, etc. Et ça tourne. Enfin, c'est pas une difficulté. Je vous garantis que c'est pas une difficulté. Ça se gère très très bien. Très très bien, et y compris parce qu'on peut le faire. Les patrimoines du logement social à Paris, c'est pas loin de 200 000 logements. Hein. Donc je veux dire que c'est pas très compliqué de se dire que dans les logements de proximité, on reloge des gens. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des opérations? En ce moment, dans le 13e, on est en train de rehausser un immeuble, un logement social. Les gens qui sont derrière l'étage, ils n'en peuvent plus des marteaux-piqueurs. Qu'est-ce qu'on fait? On les reloge éventuellement quelques mois en attendant que les travaux soient finis pour qu'ils reviennent. Bien sûr, mais ça se fait couramment. C'est une technique éprouvée. Oui, merci à vous tous d'être venus à ce café de patrimoine là, très riche. Donc je vous informe que le prochain a lieu le 11 juin, toujours au même endroit, à la même heure. Le thème n'est pas encore défini, on est en train d'y réfléchir, donc vous serez informés par les canaux habituels. Et pour ceux qui ne sont jamais venus ou qui viennent pour la première fois, je vous invite à laisser vos courriels là-bas, il y a une feuille à remplir et on vous informera automatiquement du thème lorsque nous l'aurons défini. Voilà, sinon sur nos sites et les réseaux sociaux, on le fait paraître aussi. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci.